Rebonjour à tous et à toutes. Et ben on continue pour la suite de Cartoon Break. Hop. Alors voyons voir où nous étions. Nous étions toujours à la zone 0. Donc se dirige à la cale sèche où compte s'affronter Paul, jadis son meilleur ami, celui-ci devenu son pire ennemi. Ok. Donc voilà, donc je suis là. Je sors de là-dedans, on sait pas comment. Et on y va. Ouh, c'est bizarre ça. Revêtu de cuivre, oui. Explorer, c'est mieux, j'adore explorer. Absolument incroyable. Will avait disparu. Mais il était tout autour de moi. Cette vie secrète dont il ne parlait jamais. Tout ce dont il avait voulu me protéger. Tout ça m'entourait. Comme un puzzle, figé dans le temps. On pensait tous qu'il gâchait sa bourse de recherche et sa carrière en faisant une fixation sur une expérience ratée. C'est ce qu'il nous faisait croire. Mais ce qu'il a construit, ça a toujours marché. Ça marche! Ça marche! Bon, je vais bien pouvoir avancer en fait. Merci. Oh, c'est rouge ça. Besoin que vous prolongiez ma bourse l'an prochain. Je vous en prie, ne faites pas ça. Putain, pourquoi on peut pas courir? Enfin, je suis pas devant, s'il disparaît à chaque fois que j'apparais. Contre-mesure. Pourvu que ça marche. Will. Plus rien. Faut descendre, ok. Ok. On pourrait pouvoir courir, hein, franchement. Venez avec moi. On peut survivre à ça. Vous êtes la seule personne à avoir vu ce que j'ai vu. Ne fais pas ça, non! Donnez-moi la machine. Et si vous vous trompiez? Je savais que quelque chose de terrible s'était produit. Mais tout était mélangé. La solution m'échappait. Non! Qu'est-ce que c'est que ça là-dessous?
qui vient du futur, donc il sait à l'avance ce qui se passe. J'étais sous le choc. Toutes les questions que je me posais figuraient dans ce que j'avais vu dans cet atelier. Tout ce qui s'était passé à l'université faisait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui avait commencé 17 ans auparavant. Ok, la cale sèche. Allez à la cale sèche, j'y suis presque. Je dois trouver Paul. Donc on lira tout ça hors contexte. Ce serait plus pratique. Ouais, donc on y va. Ah, je suis con, c'est là. Oups, il y a quelqu'un. Oh non, ils sont dedans. La volonté ! Quelque chose n'allait pas chez Paul. Le syndrome des chronos. Il avait ses pouvoirs depuis bien plus longtemps que moi. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ça ? Étais-je malade moi aussi ? Ou était-ce dû à son voyage dans le temps ? Je l'ignorais. Mais ça n'excusait rien de ce qu'il avait fait jusque-là. Avant, on peut monter sur le toit du truc. Là. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir aller quelque part. Misère. Pas monter. Non, bon, moi je pensais. Ça y est bien l'escalateur là. Hein, donc, je suis en décontamination, normal. Oui, j'ai froid. Il fait gla 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 gla. Nous irons tout ça plus tard, vous inquiétez pas. Pas ça du scanner? Échappez-vous du temps figé. Bah, je voudrais bien. Faut déjà pour ça que j'ai ça, il faut aller. Quand même. Ouais. Jack, il faut que tu comprennes que Will ne m'a pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est inutile de se battre. Tu l'as tué. Retrouve-moi ce soir au gala. Le gala ?
Le temps va s'arrêter et t'organises une fête? Le temps va peut-être s'arrêter, mais... On va régler ça maintenant. J'ai pas l'intention d'aller à ta... Il va y aller. Je l'ai déjà vu se produire. Vu quoi? Pourquoi tu fais ça? Au revoir, Jack. Non! Attrapé, mais je sais même pas où il est. Vous êtes marrant, vous. On va toujours tout droit. Mitraille tactique. C'est quoi ça? Fusil automatique. Pistolet lourd, carabine, faut faire. Merde. Je dois y aller. Vite. Je vais m'acheter, j'ai compris, hein. Mais pourquoi je regarde là-haut, l'abruti? S'arrêter là. Ah bah voilà. Les interruptions s'aggravaient. Alternant saut dans le passé et dans le futur. À ce moment-là, j'imaginais pas que ça puisse encore empirer. Mais nous savons tous les deux que ça a été le cas. Ça, ça doit faire mal. Tu m'étonnes.
Monter là-haut? Faut que je foute le camp d'ici. Faire quand je saute, petit con. Putain! C'est pas le moment de se planter. C'est un putain de labyrinthe là-dedans. Toi, tu l'as dit. J'essaye. Non, 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 pas encore. Allez, 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 allez. Oh putain. Ok, ok, ok. Était en route pour me rejoindre. J'imaginais qu'elle était figée quelque part là-haut, sur le côté de la cale sèche. Finition. Ah, série des munitions, ok.
Comment on va là-haut? J'avais pourtant dit, ne faites rien de stupide. Je suis pas trop attentif. Il y a un début à tout. Montez. Et si je refuse? Tuez-moi alors. Désolé, mais je vais prendre le van. Ça, c'est pour m'avoir ignoré. Ça fait mal. Vous voulez empêcher la fin du temps? Vous avez besoin de moi. Et merci, au fait, pour l'incruste à l'arrière. J'ai l'impression d'être une babysitter. Babysitter? C'est une blague? J'ai extrait de supers infos de cet ordi. Connasse. Super. C'est ma caisse, c'est ma musique. C'est comme ça. Mais putain, vous êtes qui, vous? Bon, bah voilà, l'épisode de finir. Donc, en attendant, on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air bleu. Des commentaires si vous voulez, puis me dire ce que vous en pensez. Voilà, ou vous abonner aussi, comme vous voulez. Ben, merci, et puis ben, à la prochaine vidéo. Au revoir.